Ah mais bravo, bravo! Moi ce week-end, pendant que je faisais des calculs pour voir si on reculait ou si on avançait l'apéro, qu'est-ce que j'apprends? Dans le magazine Les Échos de la semaine dernière, il y a un dossier intitulé L'Ariège anti-start-up nation. Pardon madame, l'Ariège anti-start-up? Sous-entendu que l'Ariège serait en retard au niveau de technologie? Attention madame, moi j'ai vécu 5 ans à Tarascon-sur-Ariège. Enfin j'ai survécu 5 ans. Et j'aime pas beaucoup qu'on se moque de l'Ariège. C'est quand même un des seuls départements qui regroupe à lui seul d'autres départements. La Basse Ariège, la Haute Ariège, la Moyenne Ariège, l'Ariège sauce blanche, l'Ariège sauce harissa. Du coup, j'ai contacté mes copains à Tarascon, la famille Ramos. Oui, parce qu'à Tarascon-sur-Ariège, à 80% la population est d'origine portugaise. Les 20% qui restent, c'est des ch'tis qui n'ont pas trouvé l'Espagne. Donc j'essaie de le contacter via caramel.com. Mais bon, la connexion répondait pas. Sûrement quelqu'un de sa famille qui était au téléphone en même temps. Du coup, je lui laisse un message sur son tatou pour qu'il me rappelle d'une cabine. Ah oui, parce que l'Ariège, c'est un des seuls départements au monde où il reste encore des cabines téléphoniques. Ah bah si Zack Snyder, il veut refaire un Superman, qu'il aille directement dans le 09. Bref, j'appelle mon pote Ramos. Oh Fred! Oh nos échos! Oh nos échos! Que c'est la start-up de merde! Que c'est... Que la start-up, oui. Que cucuette! Alors, et moi aussi, crain, merde! Il a tout cassé! Putain! Mais comme vous, j'ai rien compris. Mais attendez, l'Ariège, sur bien des points, ils sont vachement en avance. Par exemple, ils étaient vachement en avance au niveau du mariage pour tous. Bon, c'est encore un peu compliqué, un homme avec un homme, une femme avec une femme, mais un frère avec sa sœur, ils étaient vachement en avance. Il y a quelqu'un qui vient de passer, non? Mais pareil pour le bio, le marché de Saint-Giron, par exemple, ils nous ont pas attendus, hein. Ah bah, le marché de Saint-Giron, c'est quelque chose, hein. Ah bah là-bas, contrairement aux discothèques, c'est si t'as des chaussures que tu rentres pas. Pareil que Yannick Noah, il veut s'installer là-bas. Pareil pour les industries, les carrières de l'usinac. Non, l'usinac, l'usinac, le talc du l'usinac. Oui, comme le cou, le cou. C'est là qu'on produit le talc pour les fesses des bébés ou la peau de saucisson. Bon, faut pas se tromper. Enfin bon, je pourrais en parler des heures de l'Ariège. Ariège, terre courage. Et il en faut du courage à mes copains ariégeois pour supporter toutes les vannes que je fais sur vous. Allez, à lundi. Retrouve toutes les vidéos sur YouTube tous les lundis. Et si t'es d'Ariège, pas de panique, tu vas sur MySpace, ou Space, ou le truc. Et là, avec Nikos, on Nikos va chercher. Ou le co. Oui, va chercher le co. Oui, vas-y, vas-y.